garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais un petit peu changer de thème de vidéo suite à la demande de certaines. Donc je vais faire une vidéo ciblée alimentation en vous présentant ma routine alimentaire du matin. Donc je vous préviens tout de suite, c'est vraiment pas un repas digne de top chef, je suis vraiment pas une grande cuisinière. Il y a quelques étapes, quelques passages qui vont vous paraître un petit peu dégoûtants, si on peut dire. Mais en tout cas, j'ai aucun intérêt à vous le cacher, puisque c'est la plupart du temps ce que je mange. Donc si jamais vous aimez ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à mettre un petit like et surtout à partager et à vous abonner. C'est parti! Donc tout d'abord, je prends un bol. Et le premier ingrédient que je vais mettre, il s'agit des flocons d'avoine, ou Quaker Oats, que j'achète en supermarché. Je vais mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe, soit à peu près 40 g de flocons d'avoine, puisque je mange beaucoup le matin. Mon deuxième ingrédient, ça va être la boisson au soja bio, que je préfère au lait, et que j'achète également en supermarché. Donc niveau quantité, c'est un peu au pif. On voit ça lors de la cuisson, si ça va ou pas. Hop, au micro-ondes pendant 1 minute 30. Ensuite, le matin, je vais prendre ma whey Citec. Donc en ce moment, c'est le goût yaourt pêche. Et comme vous le voyez, je vais utiliser la dosette qui est dans le paquet. Je vais la remplir aux 3/4 avant de la vider dans le bol. Donc là, ouais, le matin, pour moi, c'est super important car je n'arrive pas à manger salé, des œufs ou quoi que ce soit. Là, on arrive au moment un petit peu dégueu dont je vous ai parlé. Les quantités, c'est selon la convenance des gens. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est pâteux. Donc là, comme vous voyez, je galère un petit peu à mélanger. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu de soja. Le prochain aliment que j'utilise, c'est la pomme. Pour moi, c'est super important car ça permet de bien se réveiller et puis d'avoir un petit peu un apport en fruits. Donc je vais utiliser une demi-pomme que je vais couper en petits morceaux et que je vais mettre dans mon bol un petit peu à l'arrache. Et bien sûr, je garde la peau pour les vitamines. L'ingrédient dont je suis fan, c'est bien sûr la cannelle. Donc surtout que ça se marie super bien avec la pomme, je vais saupoudrer ça dans mon bol, un petit peu ou beaucoup. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est le super fruit, les baies de goji. Donc j'achète ça en supermarché, mais j'en mets pas énormément parce que ça coûte plutôt cher. Et ça apporte un petit goût et surtout plein de vertus antioxydantes. J'accompagne ce repas d'un grand verre de jus de fruits, donc soit de l'ananas, soit de l'orange ou du multivitaminé pour faire le plein de vitamines dans la journée. Et également un comprimé de oméga 3 qui va m'apporter tous les acides gras essentiels pour une journée. Voilà, j'espère que vous en savez plus et que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt!